J'ai tout donné, je suis debout. Pendant le Mégatron, j'ai tout repensé, tout est sorti dans ma tête. Toutes les choses que j'ai accomplies, les années dures. J'ai eu plein de choses. Je tiens vraiment à remercier mon entraîneur, Karim Agir. Sa femme a eu un enfant aujourd'hui, il est un nouveau papa et la victoire c'est pour lui, pour tous les sacrifices qu'il a fait pour moi, merci beaucoup. Merci à ma famille, à mes supporters. Comme quoi, les rêves sont accessibles. Alors, je sais pas quoi dire, je suis trop... C'est juste magnifique, vous rentrez dans l'histoire, Estelle, en plus le jour de votre anniversaire. Je rentre dans l'histoire exactement, je suis la première à écrire mon nom en tant que championne olympique en boxe féminine. Donc c'est magique. C'est magique, si j'ai envie de donner un conseil aux toutes les personnes qui ont suivi, c'est croyez en vos rêves et donnez-vous, travaillez dur pour y arriver. Parce qu'un jour ça paye. Même si, même pour les rêves les plus grands, un jour ça paye quand on travaille. Merci beaucoup, merci de m'avoir encouragé. C'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Et c'est la dernière chose, vous êtes championne d'Europe, championne du monde, championne olympique, vous avez tout gagné. Quelle orientation vous avez envie de donner à votre carrière? Je ne sais pas, pour l'instant je suis à vous, ça on verra ensuite. On doit vous laisser parce que le protocole impose que vous alliez sur le podium. Merci beaucoup, Estelle. Ouais.